Selon la tradition islamique, il est né à la Mecque vers 570 et mort à Médine en 632. Les musulmans le considèrent comme un prophète, le dernier de la religion abrahamique, au sens où, selon l'islam, il termine et scelle la révélation monothéiste faite à Abraham. Muhammad, personnage historique ou légendaire, telle est la thématique que nous allons aborder ce matin dans le cadre du face-à-face explosif qui oppose le cheikh Ali Sanga, imam prédicateur, et Kemoui Kamgan, historien des religions. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, ça sera argument contre argument et c'est à travers le choc des idées que jaillira la vérité ce matin. Installez-vous confortablement et c'est parti pour 90 minutes chrono. Cheikh Ali Sanga, bonjour et bienvenue. Bonjour, Yamsi Nyumba. Bonjour à Imhotep. Bonjour, fidèles téléspectateurs. Bonjour aux techniciens derrière la baie vitrée. Et nous disons bonjour aux fidèles téléspectateurs et assalamu alaikum à toute la communauté musulmane qui nous écoute en ce moment. J'espère que c'est à âme courtoise que nous allons mener de bout en bout ce débat. Bon, c'est comme vous le savez, hein, c'est de la contradiction que j'ai la vérité. Vous savez, en matière de débat interreligieux, parce que c'est comme un débat interreligieux, il y aura thèse et antithèse, et nous demandons aux téléspectateurs de faire la synthèse ayant un esprit neutre et un esprit sain. D'accord. Pour ceux qui veulent la vérité, pour ceux qui veulent comprendre, ils découvriront la vérité sur ce panel aujourd'hui, Inch'Allah, en ce qui concerne la personnalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils découvriront la vérité sur ce plateau ce matin. Kemoui Kanga, Otep, et bienvenue. Que tout ce qui respire loue à tout mrai, et à travers lui sa manifestation qu'est Ré, le soleil diurne. Otep Nyamsi, Otep, au top management de la télévision, Kemet Télévision, Otep à vos différents téléspectateurs, Otep à tous ceux qui prennent de leur temps chaque fois pour nous suivre, pour suivre vous qui êtes aujourd'hui le porte-flambeau de la renaissance africaine que nous appelons de tous nos voeux. Otep à M. Sanga, que je rencontre une fois de plus sur un plateau. C'était par ailleurs plateau de radio. Aujourd'hui, c'est plateau de télévision. Je pense que c'est toujours un enrichissement, même si les positions ne sont pas toujours les mêmes. Mais je pense que la vie en est faite, n'est-ce pas? C'est-à-dire des contradictions, c'est-à-dire d'un certain nombre de choses qui la composent, effectivement. Je pense que le débat d'aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, sera un débat, de mon point de vue intellectuel, duquel, n'est-ce pas, pourront sortir certaines idées, n'est-ce pas, qui éclaireront, illumineront et peut-être donneront certaines informations à ceux qui prennent le temps de vous suivre chaque fois. Et c'est à mon courtoise qu'on va naturellement. Toi également, tu juges l'honneur. Naturellement, vous savez, l'Afrique a ceci de particulier que elle est, je veux dire, habituée à la contradiction. Et cette habitude à la contradiction fait que aucun débat, aucun échange ne peut se mener avec, n'est-ce pas, des couteaux à la hanche. Nous menons toujours le combat, qu'il soit un combat franc, qu'il soit un combat honnête. Et ce combat honnête et ce combat franc font que, fondamentalement, il ne viendra pas à l'esprit de l'Africain de sortir une arme, n'est-ce pas, pour démontrer son argument. Voilà qui est bien dit, madame, monsieur, chers téléspectateurs. Alors, monsieur, les règles du jeu sont les suivantes. Chaque protagoniste aura 5 minutes. Je tiens au respect scrupuleux de la parole de chaque partenaire. Il est important, c'est vrai, c'est un débat, on peut de temps en temps intervenir, mais il faudrait que cela se fasse dans les règles de l'art pour que ça ne se transforme pas en cacophonie et que définitivement ceux qui nous écoutent à la maison ne retiennent absolument rien. Donc, pour toi, Kemoui Kamga, tu dis que le prophète Mohammed n'a jamais existé
historiquement et tu es prêt à le démontrer, ou Cheikh Ali, plus besoin de poser la question, puisqu'il vit et loue un culte, n'est-ce pas, au prophète Mohammed. C'est la raison pour laquelle je vais justement commencer par lui. Le prophète Mohammed, selon l'islam, a reçu la révélation. Maintenant, la question est la première, est celle de savoir, est-ce que historiquement le prophète Mohammed a existé? Si oui, avons-nous des vestiges ou alors avons-nous des éléments qui permettent d'affirmer effectivement que le prophète Mohammed a existé historiquement? Bon, la question, comme l'avait dit Dantam, la question ne se pose même pas. Ça ne se pose même pas. Quiconque, à l'actualité, de la page islamique, il saurait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a existé. Et je ne vais pas aller loin. Actuellement, sa tombe existe à la Médine. La Médine qui est sa ville d'immigration. Non, sa tombe existe. Sa tombe existe. D'accord. Bien et bien, ça, il n'y a pas plus meilleure façon de démontrer ça. D'accord. En dehors du fait que les historiens, même qu'ils soient musulmans ou non musulmans, montrés, ont parlé de lui. Et que même à l'école, on a parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, depuis l'école primaire, on nous a parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On nous a parlé de l'islam dans les programmes même d'histoire. Dans les programmes d'histoire, l'école primaire, on nous a parlé de l'islam. On a parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant celui-là qui a propagé l'islam. Donc les livres sont là, les textes sont là. Donc la tombe est là. Il n'y a pas autre chose à faire. Donc pour toi, il n'y a l'ombre d'aucun doute. Il n'y a même pas à douter. Il a existé, effectivement. Bien sûr, puisque sa tombe est là. Si sa tombe n'était même pas là, on pouvait encore tergiver, on pouvait encore réfléchir, mais la tombe est là, c'est clair et net. D'accord. Alors, frère Kemwe, les éléments qu'il a avancés sont-ils maigres ou alors assez solides pour effectivement dire que le prophète Mohammed a existé historiquement sur cette terre comme toi et moi? Je voudrais tout d'abord, en commençant, citer un auteur, Édouard Marie Galaise, qui a écrit un livre, Le Messie et son prophète, aux origines de l'islam, du Mohammed des califes au Mohammed de l'histoire. Et dans ce livre, l'auteur nous fait comprendre très nettement le distinguo qu'il fait entre le Mohammed des croyants musulmans et le Mohammed tel que façonné par les califes. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a la tombe de quelqu'un, bien parce qu'il y a une tombe que quelqu'un s'y trouve automatiquement. Vous savez, même pour Jésus, on nous dit qu'il y a sa tombe, mais personne n'a jamais rien vu de cette tombe. Alors, l'archéologie, qui est une science pointue aujourd'hui, aurait voulu que, si c'est réellement sa tombe, qu'on essaye de voir ne serait-ce que ses restes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec les pharaons, il y a des pharaons de 6000 ans, il y a les pharaons de 3000 ans. On a même découvert le crâne d'Osiris qui remonte à 9000 ans, qui a été momifié. Alors, s'il y a un corps dans cette tombe, quand on montre à l'érudition d'aujourd'hui que, voilà, effectivement, il y a un corps dans cette tombe, on peut faire un test d'ADN, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a fait, Cheikh Diop l'a fait, en ce qui concerne la couleur des peaux des pharaons égyptiens. Alors, on peut donc faire un test ADN pour, parce que vous savez que l'ADN haplotype mitochondrial est l'ADN le plus sûr. À travers cela, on peut essayer de remonter et on peut même faire l'archéologie du lieu. Vous comprenez un peu? Ça, c'est la première chose. Est-ce que, je vais te relancer avant que tu ne poursuives, est-ce que, et même si ce n'est pas du goût de l'islam d'exhumer son prophète par respect, est-ce qu'on peut forcément dire que c'est parce qu'il n'a pas existé? Encore que, de plus en plus, comme il a dit tantôt, il n'y a pas de doute, n'est-ce pas, sur son existence réelle pour qu'on aille exhumer le corps pour chercher à faire l'ADN. Vous savez, il y a un personnage en France qu'on appelle Vercingétorix, qui serait un des personnages clés dans l'histoire de France. N'est-ce pas? Mais demandez aux Français où se trouve Vercingétorix. Personne ne vous dira où se trouve Vercingétorix. Ça se trouve où? Non, personne ne vous dira, parce qu'il n'existe même pas. Ah, d'accord. Ça a été inventé de toutes pièces. Vous comprenez? Une tombe, notamment, a été inventée de toutes pièces. On va entrer dans le débat tout à l'heure pour voir exactement, puisque ça, c'est le premier jet. Donc, ça, c'est le premier élément. Ce n'est pas parce qu'il y a une tombe que forcément quelqu'un s'y trouve. Nous sommes d'accord là-dessus. Ça, c'est la première chose. Parce que
pour déterminer de celui qui est dans la tombe, il faudrait qu'on la voie. Ce n'est pas parce que les gens le déclarent que voilà la tombe 2, n'est-ce pas? Que forcément, il y a quelqu'un qui s'y trouve. Donc, ça, c'est le premier élément. Oui, justement, pour dire. Parce qu'il y a eu des tombes où on a baptisé, mais sauf que la personne. La personne n'y est pas. Mm-hmm. Vous comprenez un peu? Et autre chose, on enseigne Mohamed partout. Oui, ça peut être vrai. Mais vous avez lu Gulliver et les Lilliputiens de John Swift. J'ai lu ce texte à l'école primaire. Est-ce que Gulliver a existé? Gulliver, c'était quelqu'un de près de 9 mètres. Est-ce que Gulliver a existé? Est-ce que les Lilliputiens ont existé? Ce n'est pas parce qu'on raconte l'histoire, du moins qu'on raconte des légendes qui, au fil du temps, paraissent comme de l'histoire, que c'est de l'histoire. Gulliver et les Lilliputiens, jamais sur la terre vous n'allez voir Gulliver et les Lilliputiens. Et pourtant, John Swift en a fait une œuvre monumentale qui est une œuvre valable. Alors, donc, rien que pour cela, ça nous amène à nous interroger davantage sur la réalité du supposé prophète de l'islam. Alors, si vous me relancez, si vous permettez que j'essaye de continuer. Alors, il y a des éléments dans la science historique. D'accord, je préfère, parce que vous êtes pratiquement à 5 minutes, je préfère garder cet argument pour le prochain jet. Alors, Cheikh, tu l'as suivi, c'est pas forcément parce qu'il y a une tombe que la personne s'y trouve. On peut créer une tombe, on la baptise, mais sauf que le personnage est imaginaire. Oui, ça, c'est, selon Kemwe. Ça, c'est un argument qui est enfantin. C'est tellement enfantin, c'est tellement bas. Moi, je comprends pourquoi il a poussé cette histoire-là. Et il mélange un peu tout. Uh-huh. Il mélange des personnages fictifs avec quelqu'un qui a réellement existé. Je dis, dans les programmes d'école primaire, on en a parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam. Uh-huh. Ça, là, tu ne peux pas changer ça. Ça, c'est un des deux. Les pratiques de l'islam aujourd'hui, telles que la prière, le pèlerinage, le jeûne, on a pris ça de qui? Est-ce que le fait d'avoir aussi parlé est un élément solide pour démontrer effectivement? Non, mais bien sûr, puisqu'on pratique ce ne sont pas des connaissances qui sont innées. Aucun musulman n'est né avec comment faire la prière, comment faire le pèlerinage, comment faire la zakat, comment faire le monde. Qui est né avec ça? Ils ont appris. Ils ont appris de qui? J'espère qu'il va nous dire qui a enseigné aux musulmans comment prier, comment jeûner, comment faire le pèlerinage, qui a détruit les statues à la Mecque. Il y avait 300 statues qui étaient adorées là-bas, qui les a détruites. Mm-hmm. Il va nous dire qui a fait tout ça. Parce que, comme on dit, il n'y a pas de fait sans cause. Mm-hmm. Sinon, sur qui donc? C'est tellement illogique son raisonnement, c'est tellement bas que même les historiens, les philosophes, les penseurs ont mentionné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On peut citer par exemple Goethe, un poète allemand qui dit: j'ai cherché dans l'histoire un modèle parfait comme cet homme, et je l'ai trouvé dans le prophète arabe musulman. Je l'ai trouvé dans le prophète arabe musulman Mohammed. C'est Goethe qui le dit. Nous avons Bernard Shaw qui dit: j'ai toujours eu une haute estime pour la religion de Muhammad à cause de sa merveilleuse vitalité. C'est la seule religion qui me semble posséder une capacité d'assimilation aux différentes étapes de l'existence qui peuvent survenir à n'importe quel âge. Je l'ai étudié, cet homme merveilleux. Est-ce que c'est qui, à mon avis, est loin d'être un antéchrist et qui devrait être appelé le sauveur de l'humanité. Vous disiez? Quand il dit qu'il a étudié, est-ce qu'il a étudié à la période où véritablement Muhammad a existé, ou il a étudié à partir des livres? Peut-être plus tard. À partir des recherches. Ah, d'accord. À partir des recherches. C'est à partir des recherches. Ce ne sont pas des musulmans. Nous avons Mahatma Gandhi. Gandhi, qu'est-ce qu'il dit? Gandhi affirme dans le document Young Indian: plus j'étudie, plus j'apprends que la force de l'islam ne se puise pas dans l'épée. Margolion dit: le Coran occupe de l'aveu général une position importante parmi les plus grandes écritures religieuses du monde, bien qu'étant la dernière née des œuvres inoubliables de ce type de littérature, il n'y a aucune d'elle qui le surclasse, et dans le meilleur impact
qu'il a su créer sur la multitude de l'humanité. Donc, je vais citer au cours de l'émission beaucoup de non-musulmans, des philosophes, des scientifiques, des penseurs qui citent l'existence du prophète Mohammed. Ça, ce n'est même pas une question qui se pose, puisqu'il y a encore sa généalogie même. Il y a sa généalogie. Bien sûr, qui remonte jusqu'à Agar, la femme d'Abraham. D'accord. Parce que s'il renie l'existence du prophète Mohammed, ça veut dire qu'il renie l'ensemble de tous les prophètes et tous les messagers. D'accord. Je ne sais pas si mes 5 minutes sont arrivées. Pas donc, encore. Qu'il amène des arguments solides, qu'il n'amène pas des bassesses, ça ne veut rien dire. Il a tombé vide et tout ça. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui meurent en mer, on ne trouve pas le corps. Mm-hmm. Effectivement, on fait une tombe, mais il n'y a rien dedans. Mm-hmm. Mais ce n'est pas le cas du prophète Mohammed. Tout le monde qu'il est mort, et tout le monde sait qu'il est mort de suite d'une maladie. L'histoire est là. Mm-hmm. Les historiens en parlent. Il n'y a même pas un historien de nos jours qui peut douter sur l'existence de son histoire. Sinon, d'accord, la question reste et demeure. Demandez à Imhotep, quel est l'individu qui a enseigné toutes les pratiques de l'islam? D'accord. Kemwe Kamga, je pense que tu as suivi religieusement Cheikh Ali. Il cite des historiens, justement, qui dans leurs ouvrages également citent le prophète Muhammad. Bon, pour revenir, il faut qu'on s'entende bien. Ce n'est pas. Nous savons que l'islam existe puisque les musulmans en pratiquent. Ouais. Mais il s'agit du mentor de cette religion-là qui est Muhammad. Bon, premier, pour évacuer quelque chose rapidement, Cheikh Ali dit que c'est M. Muhammad qui aurait fait l'islam. Je l'invite à lire un livre magnifique, le livre du professeur Charanta Diop, Nation et Agriculture. L'islam tel que nous l'avons existe 1000 ans avant l'existence de l'islam. Il y a ce qu'on appelle les premiers hadiths qui étaient occupants de la zone qu'on appelle l'Arabie. Mm-hmm. Qui 1000 ans déjà, notamment avec les Sabéens, faisaient déjà les 7 prières quotidiennes, faisaient le pèlerinage, faisaient les ablutions, faisaient le jeûne, 1000 ans avant que l'islam n'apparaisse. Donc vous voyez très bien qu'on a déjà les piliers de l'islam qui sont fondés 1000 ans avant. Et cette religion s'appelait donc quoi? C'était le sabéisme, ce qu'on appelait le sabéisme. D'accord. C'est pourquoi d'aucuns disent que l'islam n'est qu'un sabéisme arabisé. D'accord. Vous comprenez? Mm-hmm. Ou encore même un judaïsme arabisé. Ça, c'est première chose. Pour les programmes scolaires, vous savez, quand nous étions à l'école, tout le monde nous disait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mm-hmm. Vous voyez, quand on a avancé plus tard, on a constaté que le soleil ne se lève pas. Que c'est le mouvement de la terre qui nous fait croire que le soleil se lève. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas parce qu'on a dit quelque chose, qu'on dit quelque chose, que c'est vrai, pour autant. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est pour évacuer ça. Bon, de la question de la Mecque, vous savez avec moi, le prophète de l'islam serait né en 570. Mm-hmm. Déjà, à la Mecque. On ne s'accorde même pas déjà sur cette date, parce qu'il y a des auteurs qui disent 569, d'autres disent 580. Déjà, on ne s'accorde pas. Ça, c'est la première incongruité. Ça veut dire qu'à cette période, il y avait déjà, n'est-ce pas, des calendriers. Il y avait déjà des actes de naissance. On établit un acte de naissance du prophète, n'est-ce pas? Première chose, on pouvait compter le temps avec précision. Deuxième chose, l'islam dit qu'il est né l'année de l'éléphant. C'est ce que l'islam dit. On nous raconte une histoire où il y a les Quraysh ont été attaqués. N'est-ce pas? Ceux qui attaquaient les Quraysh montaient sur les éléphants et Allah et envoyé des oiseaux avec des cailloux. Ils ont jeté les cailloux sur les éléphants, ils sont dispersés. Et c'est à ce moment-là que le prophète serait né. Alors, ça ne nous indique même pas déjà sur la date. Parce que si on remonte cette histoire, on ne peut pas la situer sur un calendrier précisément. Ça, c'est la première chose. Est-ce que cette période reculée avait besoin de temps de précision? Il y avait besoin de temps, puisque l'islam donne le temps de précision. D'accord. Vous comprenez un peu? Alors, de la Mecque. Vous savez qu'à cette période, une ville qu'on appelle la Mecque n'existe pas. Parce que la Mecque est un désert presque lunaire. Il n'y a pas d'oasis. Mais à Yathrib, qui est plus au nord, Yathrib a un oasis. Vous comprenez? Les cartes, les premières cartes anciennes, notamment celle de Ptolémée, qui a visité cet endroit, il n'est mentionné nulle part une ville qu'on appelle la Mecque. Mais Ptolémée mentionne une ville qu'on appelle Marcoba, qui n'est pas Maka. Mm-hmm. Vous voyez la différence? Pourtant, le Coran nous dit que cette ville a existé depuis le temps d'Adam. C'est ce que le Coran nous dit. Alors, si déjà on n'a pas une ville précise qu'on appelle Mecque. Bon, où serait donc né le supposé prophète de l'islam? Et la Mecque qu'on a aujourd'hui arrive donc à quel moment dans l'histoire de l'humanité? Dans l'histoire, la première mention de la ville de la Mecque, c'est 740 de notre ère. Et la première carte où on mentionne la Mecque, c'est 900 de notre ère.
Or vous voyez le gap est né en 570, 10. Il est mort en 632. Mm-hmm. Vous voyez le gap qui est là. Mm-hmm. Alors, si on n'a pas déjà une ville qu'on appelle la Mecque, c'est la même chose. Permettez que je fasse un peu le parallèle, puisque l'islam tire ses origines du christianisme et du judaïsme. C'est la même chose qu'on a fait avec le supposé sauveur des chrétiens. On a inventé la ville de Nazareth au 3e siècle, parce que les premiers chrétiens voulaient y faire du pèlerinage. Et les princes de l'église avaient constaté qu'en effet, il n'y a pas une ville qu'on appelle Nazareth. Alors comment faire pour maintenir la foi de nos succédanés? On a inventé donc la ville de Nazareth de toutes pièces. Voilà, à cet effet, il faut lire Robert Ambelin, Jésus ou le modèle secret des Templiers. Alors vous voyez très bien que l'islam tel qu'on l'a, a déjà, premièrement, en ce qui concerne la ville de la Mecque, on a un trou noir. Puisqu'on ne peut pas repérer cette ville à cette période, dans l'Arabie de ce moment-là, une ville qu'on appelle la Mecque. Parce que les archéologues saoudiens, avec des archéologues européens, ont fait les fouilles à la Mecque. On n'a même pas trouvé la fondation d'une maison. On n'a pas trouvé la soi-disante famille Kouraïchite. Parce que c'est ça l'archéologie aussi. Parce que l'archéologie, on peut ne pas avoir des documents écrits. Mais l'archéologie peut parler à travers les artefacts. Mais on n'a aucun artefact sur la Mecque. On n'a même pas un tombeau sur la Mecque dans cette période-là. Alors, si on n'a pas tout ça sur la Mecque, alors où serait né donc le prophète de la Mecque? Deuxième élément, c'est quoi? On a l'absence de toute trace archéologique de ce personnage, du père Mohammed. Prenons le Coran. Il y a la sourate 3, verset 144, et la sourate 5, verset 75. Mm-hmm. La sourate 3, 144, parle de Mohammed comme étant un prophète et le suivant des prophètes. De même, la sourate 5 parle de Issa, fils de Myriam, n'est-ce pas, qui n'est qu'un prophète et suivant des prophètes. Et qu'est-ce qu'on emploie, le mot qu'on emploie pour le dire, c'est quoi? C'est Mohammed. Alors, quand vous mettez côte à côte ces deux versets, ça veut dire que Jésus est Mohammed. Et je vous rappelle que le Coran ne cite que Mohammed 4 fois. Il cite Moïse à peu près 300 fois. Il cite le Pharaon 73 fois. Il cite Abraham 74 fois. Mais Mohammed c'était que 4 fois. Et dans 3 des cas, Mohammed est assimilé au loué ou à l'aimer. Donc c'est un adjectif, ce n'est pas un nom propre. Donc, et cet adjectif-là est aussi appliqué à Jésus comme Mohammed. La preuve, le nom Mohammed n'est pas un nom arabe, c'est un nom juif. Ça vient de Hamad, qui veut dire élire ou aimer. Mm-hmm. Donc Muhammad, c'est celui qui est aimé ou élu. C'est pourquoi les premiers chrétiens nestoriens de l'Arabie appelaient donc Jésus Muhammad. On va entrer davantage D'accord. sur la question archéologique. D'accord, je pense que tu as largement écouté Imhotep. Il dit quand même des choses assez graves, si ça s'avérait. Et maintenant, toi en tant que fidèle musulman et puis même enseignant, il est important également que tu donnes des éclaircissements. Monsieur Yamsi. Oui, à tout ce qui a été dit. Monsieur Yamsi, mais le débat est fini depuis. Ah bon? Il a creusé sa propre tombe. Et comment? Est-ce qu'on peut parler d'une chose qui n'existe pas? Monsieur Yamsi, est-ce qu'on peut parler d'une chose qui n'existe pas? Est-ce qu'on peut décrire une chose qui n'existe pas? Bien sûr. Attendez, vous avez parlé de Gaulle tout à l'heure. Mais là, sauf si vous êtes maintenant. Monsieur Yamsi, parce que vous parlez déjà d'une chose qui, selon vous, n'existe pas. Ça veut dire que vous démontrez de manière ignorante, de manière inconsciente, que le prophète Mohammed s.a.w. il a existé. Le débat est fini. Et comment? Mais puisque nous sommes là pour les testateurs, nous allons les enrichir avec nos arguments. Mais le débat est fini. Non, dans le principe, pour parler de quelque chose, oui, oui, il faudrait que cette chose existe. Cette chose existe. Bon, maintenant, lui va nous expliquer après comment est-ce que cela est possible. Non, vous l'avez pas bien suivi. Hein. allons-y. Vous l'avez pas bien suivi. Vous n'avez pas très bien suivi. Le nom Mohammed, c'est un nom qui était un emprunt juif. Donc ce nom qui a été attribué au prophète Mohammed, et que Mohammed serait comme Jésus. Il est en train de parler d'une chose qui veut démontrer qu'il n'existe pas. On est en train de parler de son existence. Le débat est fini. Non, on va prendre position. Je vais lui montrer qu'il a beaucoup de choses à apprendre. D'accord. Maintenant, il entre dans des histoires qui sont à dormir debout. Il dit que la Mecque n'existait pas. Vous savez que l'actuel, comment est-ce qu'on appelle l'ancienne Mésopotamie actuellement? L'Irak. Mm-hmm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un va dire que l'Irak n'existait pas. Un ignorant va dire que l'Irak n'existait pas. Et c'est vrai, le nom Irak n'existait pas. Mais la superficie terrestre, la géographie,
existait. Dont la Mecque existait, mais n'avait pas le nom de... Je vais donner le verset coranique. D'accord. Je vais nettoyer son cerveau. Alors, Sourate 3, verset 96. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka. C'est écrit dans le Coran, Baka. Eh, monsieur Yamsi, lisez le verset là, pour que les spectateurs suivent. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka. Mm-hmm. Entre parenthèses, la Mecque. La Mecque. Voilà. Voilà déjà une ignorance qui est évacuée. Il ne connaît pas ça. Il dit la Mecque n'existait pas. La géographie, c'est, la superficie terrestre existait. D'abord, les premiers Arabes qui ont trouvé Ismaël et Agar au désert, quittaient le Yémen et traversaient la Baka pour aller au Moyen-Orient, c'est-à-dire en Palestine, en Cisjordanie et autres. Mm-hmm. Ils ont trouvé l'enfant et la mère là, à Baka, qu'on appelle en français la Mecque. Il mm-hmm. faut qu'ils comprennent ça. De deux, ils parlent de la période de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est vrai que à ce moment-là, de dater sa naissance jusqu'à nos jours peut causer quelques problèmes. Mm-hmm. Mais il n'en demeure pas moins vrai. Comme vous l'avez déjà entendu de vos propos, il serait né vers mm-hmm. 569-70 mm-hmm. ou 562-71. Parce qu'il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle la transmission des événements dans le temps et dans l'espace et de manière orale. Mm-hmm. D'accord. Vous savez que l'islam se transmet, notamment le Coran et les hadiths, ça se transmet de manière orale. Donc, ceux qui ont vécu, qui ont existé, qui ont été contemporains au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont transmis de manière orale la période de sa naissance, le jour même de sa naissance. D'ailleurs, si vous le savez pas, il y a certains musulmans qui fêtent le jour de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quoique islamiquement, ce n'est pas permis de fêter ce jour. Mais il y en a qui fêtent. Et donc, au moment de conseiller et de codifier, oui. on n'a forcément pas respecté. Bien sûr, c'est comme pour dire que la date est là, à l'unanimité des savants musulmans, elle est née en 571. D'accord. Après Jésus-Christ. Donc, de sa naissance, il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans et pendant 23 ans. Il est mort à 63 ans. C'est un personnage qui a existé. L'existence même du Coran suffit pour démontrer l'existence de l'individu. Bon, maintenant, est-ce que la période déclarée comme être la Mecque en l'an 900 est précisément aussi sur le plan géographique Makka, donc Baka, c'est Baka, il ignore ses mains, il connaît ici, il connaît tout. Il ne connaît pas tout. Il ignore seulement, il ignore. Moi, je lui ai info. Voilà l'inversion coranique. C'est Baka. D'accord. Qui est en français, mec. Vous avez voulu lui appeler entre parenthèses, qui signifie la mec. D'accord. Il ignore simplement. Donc, c'est comme pour dire que l'existence même du livre de la révélation du Coran montre à suffisant l'existence de l'individu. Mm-hmm. Le contenu, ça montre l'existence de l'individu. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Il a dit que non, l'islam existait déjà. L'islam sous la forme littéraire existait. C'est-à-dire que tous les prophètes ont prêché l'islam qui signifie la soumission à la volonté de Dieu. Ça, nous sommes clairs et déçus. D'accord. Mais la façon dont les musulmans prient, il a vu ça où? Ça enseignait où? Il dit qu'on a. Il a parlé de quoi là? Les Sabéens. Les Sabéens. Les Sabéens, même c'était les adorateurs de quoi? Les Sabéens adoraient quoi? D'accord, ça fait 5 minutes, je te reprends tout à l'heure. Les Sabéens étaient les adorateurs des étoiles. D'accord. Dans l'islam, on n'adore aucune étoile, on n'adore rien. En dehors d'Allah, l'unique sans la sans. Donc il y a une différence fondamentale. Les Sabéens, c'est les adorateurs des étoiles. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il raconte? Quel est la carrière? Première, peut-être avant que tu ne. Première question. Peut-on parler de quelque chose ou alors de quelqu'un qui n'a jamais existé? Ça, c'est d'un. Mais maintenant, des deux, y a-t-il une différence fondamentale entre la pratique de l'islam à l'époque sabéenne et à l'époque même du prophète Mohammed? C'est pour arriver à la conclusion, celle de savoir si les fondements même de l'islam dont pratiquent les musulmans aujourd'hui, comme il a posé la question, viennent donc de qui? Très bien, je voudrais évoquer quelque chose. D'accord. Il dit que c'est un peu prétentieux aussi de sa part. J'ai posé un fondement. Quand on me montre les fouilles archéologiques qui ont été effectuées à la Mecque,
où on a découvert des maisons datant de la période. La tombe suffit, ouais, mon frère. Tu veux quoi comme archéologie? La tombe suffit. Je t'en prie, cher. La tombe n'existe pas. Médine, c'est la Mecque. La tombe, c'est quoi? S'il te plaît, cher. Oui. Qu'on fasse les fouilles archéologiques, qu'on nous déterre les maisons qui étaient à la Mecque du temps du prophète, qu'on nous déterre les tombes qui étaient à la Mecque du temps du prophète, et qu'on nous retrace dans la famille Quraysh dont il est issu. Et c'est aussi une démarche, et c'est aussi une démarche pour permettre de dissiper effectivement les doutes. Les doutes sur le personnage. Mais alors si la Mecque, a existé comme territoire à cette période-là, ça veut dire que les gens y ont vécu. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'on va trouver. Je vous rappelle que les archéologues saoudiens, ils n'ont même pas trouvé les omoplates de chevaux là-bas, à la Mecque, datant de cette période. Ça n'existe pas. Parce que la zone géographique était considérée comme la Mecque. Parce que ce n'était pas une oasis. Médine était plus haut, Yathrib était plus haut, qui était oasis. C'est pourquoi donc, ils préféraient aller donc à Yathrib. Parce que là-bas, l'oasis permet de quoi? De nourrir les cheptels. N'est-ce pas? D'alimenter les cheptels à travers de l'eau. Et deuxièmement, de s'alimenter soi-même. Parce que c'était des endroits où il y avait des dattiers, où ils pouvaient faire un peu frais. Parce que c'était des gens semi-nomades. Ça, c'est pour la première évacuation. Deuxième évacuation, on dit, peut-on parler d'un personnage qui n'existe pas? Oui. Qu'est-ce que c'est que l'imagination? Je peux imaginer un personnage maintenant. C'est ce que font les romanciers. Il imagine un personnage, il met dans son roman, et ce personnage, il donne vie à ce personnage. Je vous ai parlé de Gulliver tout à l'heure. Vous n'allez jamais trouver Gulliver quelque part. Mais nous lisons Gulliver. Regardez les aventures de Crusoe. Vous n'allez jamais voir ça quelque part comme personnage qui a existé. Mais pour transmettre une histoire. Certains messages, une histoire. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Alors, donc, quand il dit qu'on ne peut pas parler de quelqu'un qui n'a pas existé, mais ça veut dire que, premièrement, lui-même, il n'a pas conscience du fait que soit il ignore totalement ce qu'on appelle l'imagination, parce que l'imagination permet de créer. C'est ça l'imagination. Je peux créer un personnage tout à l'heure et j'en fais un personnage mondial. C'est la même chose. Quand quelqu'un, par exemple, on vous crée des lubies de l'esprit, vous vous contentez des lubies de l'esprit et pourtant c'est un fake. Il n'y a rien derrière. D'accord. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quoi? Alors, il parle de Mohammed. Il dit que je ne peux pas parler de quelqu'un qui n'a pas existé, qui existe. Je l'ai évacué quelque part et j'ai dit ceci. Qu'il me montre sur le plan archéologique un témoignage musulman sur Mohammed dans cette période. Savez-vous que le Coran a été compilé, les premières compilations du Coran, suivant les historiens sérieux, datent entre 30 et 70 ans après la mort du prophète. Et vous savez que ceux qui l'auraient succédé se sont fait la guerre d'après l'histoire de l'islam lui-même. Se sont fait la guerre dans l'interprétation du Coran. C'est pourquoi il y a des foisonnements des hadiths. Il y a plus de 6000 hadiths à vous casser la tête. Mais pourquoi on veut tant, n'est-ce pas, prouver l'existence d'un monsieur alors que ses contemporains supposés de cette période n'ont pas écrit sur lui? Ses contemporains supposés. Alors, qui fait la première sirat al-Rasulullah, hein, la sirat du prophète, hein, du messager de Allah? Qui fait la première sirat? C'est Ibn Ishaq. Et d'ailleurs, on n'a même pas trouvé la sirat de Ibn Ishaq. C'est Ibn Hisham qui dit qu'il a pris cela. C'est Ibn Ishaq. Et Ibn Hisham meurt en 773. Et la première sirat qu'il fait, il l'a fait 123 ans après la mort du prophète. Regardez le gap. Ibn Hisham, lui, vient au 9e siècle. Et vous allez constater que c'est pourquoi nous disons que l'islam est une création abbasside. Et vous savez que les abbassides, c'est à l'Irak actuel. Et nous sommes à 1000 km par rapport à la Mecque. Comment est-ce que les premières biographies du prophète, les premiers théologiens de l'islam sont à 1000 km du lieu où il était supposé vivre? Ça nous pose un problème. Pourquoi les abbassides? Parce qu'il y avait volonté de réunir une communauté sous l'égide d'une religion. C'est comme ça qu'ils fabriquent dans l'islam. C'est pourquoi tous les théologiens de l'islam, du moins les majeurs, Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Timirdi, Al-Bukhari, Tabari, ils sont tous de la zone qu'on appelle le Khorasan. Le Khorasan qui est à Mecque. Ils sont tous issus de cette zone. À 1000 km de la Mecque actuelle. Et regardez, 200 ans après, c'est là où on fait la première Sirat Rasulullah. C'est-à-dire la première biographie du prophète. Alors on se pose bien la question. Et regardez bien la biographie de Ibn Hisham. C'est presque cinématographique. C'est comme s'il y avait une caméra géante qui filmait tous les faits et gestes de ce supposé prophète. Jusqu'à son intimité avec ses femmes. Et
Quand vous lisez maintenant les hadiths qui viennent confirmer ou bien conforter cela, les hadiths ne sont jamais des témoignages directs pour la plupart. C'est que j'ai entendu tel dire que, tel a dit que. J'ai entendu tel autre a dit qu'il a dit que. Et vous voyez très bien que... Donc il n'y a pas eu un vécu de l'histoire. Il n'y a pas un vécu de l'histoire. Il n'y a plus une transmission directe. Il cite tout à l'heure le Coran. Bon, ce n'est que le seul livre de référence qu'il a. Il cite tout à l'heure le Coran. Il ignore qu'il n'y a pas un codex coranique. C'est-à-dire, il n'y a pas un texte premier du Coran. Ça n'existe pas. Un mushaf al-Quran, comme ils disent en arabe. Ça n'existe pas, le mushaf al-Quran. C'est un imam prédicateur, c'est un enseignant. Donc, par rapport à ça, il va nous le dire. Il n'existe pas un mushaf al-Quran. Pourquoi? Parce que vous allez constater très bien que, un, l'arabe qui était parlé par le prophète à cette période n'est pas l'arabe qu'on a dans le Coran. Je vous envoie à ce titre un livre magnifique, Sfa Mondler. Le Coran est-il authentique? Et c'est un arabisant. Donc, il est arabe, arabisant. Le Coran est-il authentique? Là, il vous reprend. Parce que la langue, que le dialecte que parlait le supposé prophète, du moins que les populations de cet espace parlaient à cette période, c'était le syriaque. D'accord. Le syriaque qui est un dérivé de l'amaraïque. D'accord. N'est-ce pas? On est curieux de constater que aujourd'hui on a un arabe qui ne correspond pas, parce qu'il y a les poètes de cette période-là. Il n'écrivait pas dans cet arabe-là. On est curieux de constater que on a un arabe qui n'a rien à voir avec la supposée transmission que le prophète a donnée de ses révélations. D'accord, tu vas reprendre tout à l'heure, mais je relève quelque chose que tu viens de dire quand tu dis que c'est un arabe que le prophète ne parlait pas. Là, tu as été confirmé effectivement que... J'ai dit le supposé prophète. J'ai dit le supposé prophète. D'accord. Parce que là, donc, on va faire les comparaisons sur le plan littéraire. D'accord, pour montrer justement la fausseté de ce prophète. Ouais. Il est important que lorsqu'on avance dans le débat, que ceux qui nous suivent à la maison et sur les réseaux sociaux se rendent compte bien que nous sommes assez sérieux et que nous avons des arguments solides. Nous ne venons pas ici perdre notre temps. Nous venons apporter justement les arguments qui vont permettre à ceux qui nous regardent à la maison d'être édifiés. Effectivement. D'accord. Alors, Cheikh. Le Seigneur Yamsi. Oui. Laissez-moi rire. Je vous ai dit que le débat est fini depuis. Non, c'est pas encore fini. Pour rappeler les formalités. Vous lui avez dit quelque chose tout à l'heure. Oui. Il a dit qu'à cette époque, l'arabe parlait par le prophète. Qui était dans le Coran parlait par, n'existait pas. Il a témoigné que le prophète existait. Mais allons-y. J'ai dit le supposé. Mushaf. C'est quoi la traduction ici? Un Coran. Merci beaucoup. Donc c'est pour dire que Mushaf veut dire Coran. Il faut qu'il apprenne ça aujourd'hui. J'ai dit que je vais lui enseigner aujourd'hui. C'est pour nous dire que le Mushaf, ça signifie Coran. Et que dans les tribus arabes, Quraïchites, dans les tribus arabes, il n'y avait pas seulement les Quraïchites, il y avait plusieurs tribus qui parlaient cette version de langue arabe. C'est comme on parle des bêtis. Chez les bétis, il y a les boulous, il y a les otones, il y a les manguissas, les nandas. Il y a les similitudes dans leur langue. Il y a des similitudes. Même quand on parle de Foulbé, le Foulbé parlé en Maroua n'est pas comme celui parlé en Gaoundé, c'est pas comme celui qui est parlé à Garoua. Mais c'est le Peul. Il y a beaucoup de similitudes. Donc il y avait sept versions de langue arabe. De nos jours même, il y a plus. Il y a les arabes choix, il y a les Darajad. L'arabe qui est parlé en Tunisie, au Maroc, en Égypte, au Tchad, les arabes qui sont parlés, l'arabe qui est parlé là, on appelle ça les darajat, les degrés de langue arabe. C'est l'arabe, mais ça ne se ressemble pas. Ça se ressemble à quelques, je veux dire, à quelques points, quoi. Donc, il ne connaît pas ça. Voilà pourquoi, quand on parle de Mushaf du Coran, on parle de quoi? On a parlé des riwayats. C'est quand même un historien de religion, hein? Il a fait étudier les religions. Il cherche du mauvais côté. D'accord. Oui. Il cherche du mauvais côté. Il cherche ce qu'il veut, ce que son esprit, ce dont il a préparé son esprit à la recherche. Donc il a dit une histoire partisane. Bien sûr, il ne cherche pas dans le sens d'apprendre, de gagner. Dire, il ne cherche pas, monsieur Nyamsi. D'accord. Il ne cherche pas. Comment peut-on dire qu'on parlait le syriaque là-bas? Quel syriaque on parlait là-bas? Mais c'est terrible, c'est absurde. Quel syriaque?
Quelle histoire il se lève à tes pour dire qu'on parle le syriaque en Arabie, que les Arabes parlent le syriaque. Il y a ce qu'on appelle les riwayat, les versions, les façons de lire le Coran. Il y a sept riwayat, sept. Et les sept riwayat là, c'est avec les sept langues arabes qui étaient parlées dans la péninsule arabique. Sept langues arabes, les sept riwayat. Il ne connaît pas ça. Maintenant, il parle de la transmission de hadith. Monsieur Yamsi, nous faisons l'émission aujourd'hui. Je vais à la maison. Je dis à ma femme, j'ai fait l'émission avec Monsieur Yamsi. Il y avait Imhotep, il y avait. Ma femme m'a dit à mon enfant, voilà, chacun a fait l'émission avec tel. Avec mon enfant, quand il aura des enfants, Inch'Allah, il va reprendre c'est également. C'est ce qu'on appelle le rapport des hadiths. La transmission de la chaîne du hadith jusqu'à sa tombe chez l'auteur de l'émission. Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est non seulement c'est mémorisé, mais c'est manuscrit. Et le rapport est fait fidèlement de génération en génération. Puisqu'il y a ce qu'on appelle la science du hadith, ilm al-hadith dans l'islam. Cette science du hadith, c'est une science qui enseigne l'authenticité de rapports de transmission, des individus qui rapportent de transmission. C'est toute une science. Dans les universités islamiques, c'est toute une science qu'on enseigne. Et cette chaîne dont retombe au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle d'Ibn Hisham, il parle de tous ces hadiths-là. On dit Ibn Hisham, il a rapporté de tel, il a rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les hadiths authentiques chutent sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième génération après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des gens qui ont voulu donc créer ce qu'on appelle les faux hadiths, les ennemis de l'islam, qui ont voulu créer des faux hadiths. D'où donc cette science vient pour pouvoir démarquer les faux hadiths des hadiths qui sont authentiques. On appelle ça la transmission du hadith. Ilm al-hadith, il faut qu'il apprenne le ilm al-hadith pour comprendre ce que je dis. Parce qu'il n'a pas au niveau de comprendre. D'accord. Je ne sais pas si il répond. J'ai répondu à ses préoccupations. Donc, c'est qu'on peut dire que M. Imhotep est dans un flou terrible. Il navigue dans la brume, mon frère, dans l'obscurité. D'accord. Maintenant, il dit, je vais chuter. Il dit qu'on peut parler d'une chose qui n'existe pas. C'est vrai. Mais il n'a pas l'outil intellectuel qui permet de décrypter, de faire la différence, qui permet de différencier, de discerner, de distinguer entre le faux et le vrai, entre la mythologie et la vérité. C'est comme je suis pour dire que, c'est comme par exemple l'histoire de l'Égypte. Nous savons que les pharaons, ils ont existé en chair, en os et en couleur. Mais nous savons que Horus existe. Osiris n'ont pas existé en chair, en os et couleur, ce sont des mythes. Osiris a existé, mais non, pas en chair et en os, mon oui, frère. Oui, on a découvert le crâne d'Osiris. Qui a découvert? Maintenant, les archéologues saoudiens, il n'y a jamais eu de fouilles archéologiques en Arabie. Il a beaucoup insisté sur l'archéologie. C'est ce que je dis ceci, la preuve de l'existence du prophète Mohammed sallam, c'est sa tombe qui est à Médine. Point barre. Pourquoi ça accroche la Mecque? D'accord. Une partie de la version du Coran, c'est d'accord, chèque. D'accord, chèque. Il n'a pas d'argument à rien. C'est entendu. Est-ce qu'à cette époque supposée de la naissance du prophète Mohammed, y avait-il des historiens? Si oui, est-ce que ces historiens ont mentionné justement le personnage Mohammed? Parce qu'il a cité tout à l'heure quelques historiens. C'est vrai qu'ils n'étaient peut-être pas à cette période-là, mais ils ont fait l'apologie, n'est-ce pas, à la fois du prophète et de sa religion qui est l'islam. Vous savez, il y a une chose, entre le mensonge et la vérité, il n'y a pas de troisième voie. Mm-hmm. Vous comprenez, on peut gloser sur l'islam, le Coran. Mais il est d'accord avec moi que le Coran lui-même, il est problématique. On peut gloser dessus. On peut avoir comme seule source un seul livre. Et on pense qu'on est sérieux. Ça ne peut pas être sérieux comme ça. Si on veut faire un travail de recherche, je pense que c'est un jumelage de sources qui nous permet de nous faire notre propre idée. Ça, c'est la première chose. Concernant les historiens de la période du prophète, oui, il y a des historiens juifs qui étaient à cet endroit, à cette période. Aucun n'a mentionné le nom de ce prophète. Même la doctrine à Jacobi. La doctrine à Jacobi qui relate l'histoire des conquêtes de cette période ne mentionne pas le nom de ce prophète. Quel historien juif? N'est-ce pas? Quel historien juif? Il faut lui poser la question. Monsieur Ali Sanga. Historien juif? Si vous permettez. Tous les prêtres historiens qui. Donne le nom, quel? S'il te plaît, Cheikh. Monsieur Ali Sanga, pourquoi vous paniquez? Il t'a suivi religieusement tout à l'heure. S'il te plaît, avançons dans le débat. Je veux que je donne le nom.
Quel historien juif? Tu n'as pas l'étoffe nécessaire pour le faire. Allons-y, allons-y. Ils étaient à cette période. La preuve, d'ailleurs, quand on dit que sa supposée femme, la supposée femme du supposé prophète, serait une juive. Pourquoi? Parce que le judaïsme avait envahi cette période, du moins cet espace. Les juifs avaient envahi cet espace. Ce qui fait que quand le christianisme primitif arrive là-bas, il trouve rapidement des fidèles. C'est pourquoi le christianisme arrive dans le secteur avant l'islam. C'est pourquoi les premiers rédacteurs... Dans quel secteur? Les premiers rédacteurs de la littérature de cet espace arabisant sont juifs essentiellement, ou chrétiens nestoriens. Pourquoi? Parce que c'était les seuls qui avaient premièrement la culture grecque, la culture latine et la culture juive. Ça fait quoi? Un, on vous dit dans la tradition musulmane que leur supposé prophète ne savait ni lire ni écrire. Mm-hmm. Nous sommes d'accord? Oui, oui. Deuxième chose, on vous fait savoir que même ceux qui le suivaient, je voudrais qu'on me donne le nom de son secrétaire, qui relevait le Coran après qu'il sorte de son épilepsie. Qu'on me relève le nom, qu'on me donne le nom de celui qui relevait sur le Coran. La preuve, il n'avait même pas le papier. Je sais qu'il y a Bilal et Abouda qui étaient ses fidèles compagnons. Non, bon, c'est ce que la tradition musulmane nous dit. Mm-hmm. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'on disait qu'il relevait sur les omoplates d'animaux, sur les peaux de chèvres, sur tout ce qu'il pouvait trouver. Il relevait dessus. C'est pourquoi je lui ai dit qu'il me montre dans le codex coranique, le texte original du Coran. Qu'un musulman, je le mets à défi le monde de musulmans qui me montre ce codex. On a au moins le codex Sinaiticus. On a au moins le codex Vaticanus. Qu'il nous montre le codex musulman. Ça n'existe pas. Et la preuve, je vous ai dit tout à l'heure, les premières compilations du Coran datent entre 30 et 70 ans après la mort du supposé prophète. Après sa supposée mort, 30 et 70 ans après. Et vous allez très bien voir que le gap qu'il y a entre sa mort, sa supposée mort, et l'établissement de la religion telle qu'elle. Je vous ai dit que les théologiens ne sont même pas de son espace. On aurait compris que un Ibn Hisham soit Mekwa. On aurait compris que un Ibn Ishaq soit Mekwa. Un Al-Bukhari soit Mekwa. Mais comment tous ces gens, et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que l'islam qu'on a aujourd'hui, c'est un islam des Abbassides. Et qui sont les Abbassides? Les Abbassides sont comment vous appelez ça dans le comment on les appelle encore? Une dynastie, voilà, mm-hmm. qui, de 750 à 1278, ont régné sur tout cet espace. Ils ont été battus par les Mongols, notamment quand les Mongols ont pris l'Irak. Et c'est ces Abbassides-là qui ont fondé et donné à l'islam les couleurs qu'on a aujourd'hui. Sinon, qu'on me montre ce que le prophète lui-même a fait. Que ses témoins, du moins, ceux qui auraient vécu à sa période, ont donné comme témoignage de lui. Parce que moi, c'est le plus fidèle des choses. Moi, j'ai mon maître, par exemple, à l'université. Pour parler mieux de mon maître, c'est moi-même. N'est-ce pas? C'est moi qui peux... Si les gens veulent des informations sur mon maître, on vient me voir. On dit, toi, bon, tu as vécu avec tel maître. Comment était-il? Je donne un témoignage direct de lui. Mais, vous voyez très bien, c'est pourquoi... On n'en a pas. On n'en a pas sur l'islam. C'est-à-dire un témoignage direct. Regardez la période que je vous ai donnée. On a environ 200 ans après sa mort pour avoir sa première biographie. La biographie, c'est quoi? C'est parler de quelqu'un jusqu'à dans son intimité. C'est une biographie. Bien sûr, bien sûr. Et un biographe ne peut qu'aller contacter l'auteur. Un biographe ne parle pas des sources indirectes. Il peut parler des sources indirectes quand il cherche d'autres informations, même lui ayant déjà l'information source. C'est ça la biographie, c'est ça un biographe. Et généralement, vous allez voir, tous les biographes ont toujours été en contact avec les auteurs sur lesquels ils écrivent. Tous les biographes. Mais ce n'est pas le cas avec l'islam, par exemple. Alors vous voyez très bien que la première pièce qu'on a parlé de l'archéologie, c'est pourquoi ils fuient l'archéologie. Vous voyez très bien, ils fuient l'archéologie parce que si on fouille à la Mecque, là, comme on a fouillé, il n'y a rien. Quelle est cette famille Kouraïchite qui aurait régné dans cet espace, mais qui ne laisse pas de traces? C'est possible ça? Alors, la première pièce de cette période où on a un nom inscrit, Muhammad, sur cette pièce, j'aurais dû apporter la documentation ici. Sur cette pièce, il y a une croix chrétienne. Ah bon? Ah oui. La première pièce. Et c'est un prince arabe chrétien nestorien qui a fait cette inscription.
sur la pièce où est écrit Muhammad, mais il y a une croix chrétienne. Où ça? La prochaine fois, en Arabie. Dans quelle ville comment? En Arabie? Quelle ville? En Irak. L'Arabie, quand on parle de l'Arabie, c'est génial. En Irak, vous dites quelle ville? Alors, si tu termines, je termine. Que ce monsieur ne me dérange pas. Je vais te donner le nom de ce prince tout à l'heure. D'accord. Je vais chercher son nom, je vais le donner. Oui, parce qu'on veut les... Voilà, son nom, c'est Abdel Malik Ben Abdallah. Ah, d'accord. Abdel Malik Ben Abdallah. C'est un arabe chrétien. Oui, arabe chrétien nestorien. Qui a inscrit la croix sur... Sur la première pièce de monnaie où il y a le nom Mohammed. Alors, ils nous font savoir que Mohammed a existé et qu'il a été très puissant à travers des conquêtes. Ça veut dire qu'il a créé un état politique, un état religieux, un état économique. Oui. Mais vous ne pouvez pas faire ça sans que vous n'ayez les moyens de votre puissance. Oui. Ça veut dire quoi? Regardez tous les rois de la terre. Tous les rois de la terre ont des reliques. Tous les rois de la terre ont laissé leur passage sur terre. Ça veut dire qu'on peut reconstituer leur histoire à travers ce qu'ils ont laissé sur terre. Qu'est-ce que Mohammed a laissé? Comme les Mansa Moussa. Comme les Mansa Moussa, comme les rois mongols, ils ont laissé un certain nombre d'éléments sur la terre. Alors, où est celui du prophète de l'islam? Mansa Moussa a laissé quoi? Mansa Moussa a laissé le plus vaste empire que l'humanité ait connu. C'est tout. Mohammed a laissé. Il a laissé les mosquées, il a laissé les universités. Mohammed a laissé quoi? Dis-nous ce qu'il a laissé. Le Coran. D'accord. Mohammed n'a jamais écrit le Coran. D'accord. On va aller dans les suites. D'accord, on va avancer. Deux éléments qui sont d'accord. D'accord, allons-y. Je suis tellement fier. Je suis tellement fier d'être sur ce plateau aujourd'hui. Pourquoi, Cheikh? Regardez-moi quelqu'un. Il dit que la première tombe qu'on a vue inscrit Mohammed, c'était une tombe. J'ai dit la pièce, monsieur, la pièce de monnaie. Une pièce de Mohammed avait la croix dessus. Je demande où? Il dit en Arabie. Je dis dans quelle ville? Il dit l'Arabie, pas l'Irak. Je vous ai donné le nom. L'Irak, fait... laisse le nom. Je laisse le nom. Ouais, c'est comment? Allez, la pièce là, c'était où? Tu me dis où, comment? Va t'appeler Abdel Malik Ben Abdallah. Abdel Malik Ben Abdallah. On a trouvé ça où? Je ne me souviens plus. Laisse-moi t'orienter. Voilà. C'était chez les Sassanides. Tout à l'heure là. Chez les Sassanides. Tu dis dans quelle ville? Les trucs que tu vas ramasser sur Internet là. C'est toi qui fais sur Internet depuis. D'accord, allons-y. On se calme, monsieur. S'il vous plaît, on s'est entendu tout à l'heure en début d'émission. Que pas de cacophonie. Oui. Une personne à la fois. Abdel Malik Ben Abdallah. Je t'en prie, que moi. Tu as donné la référence, tu as donné le nom. Ceux même des téléspectateurs qui nous regardent, je suppose qu'ils ont relevé. Voilà. Ils vont faire des recherches, même à travers leurs messages sur, sur la plateforme. La vérité n'a pas le muscle. Qu'il se calme. Je vais lui enseigner. D'accord. Il ne connaît pas l'islam. Comment quelqu'un peut dire, je demande que où en Arabie, dit Irak. L'Irak se trouve dans l'Arabie. Non. Je dis le secteur général. Les gars, maintenant, c'est quoi? On appelle la. Tu demandes que j'ai dit que les gens suivent. D'accord, s'il te plaît. Consigne, je t'en prie. Je vais te rendre compte qui c'est trompé, n'est-ce pas? Tu vas le reprendre dans ton temps de parole tout à l'heure. Allons-y, Cheikh. Il est en Arabie. Il dit l'Arabie dans quelle ville? Il dit quelque part en Irak. L'Irak se trouve en Arabie. Allons-y, Cheikh, allons-y. L'Irak se trouve en Arabie. Tu n'as pas honte. Je réponds à ta question. Réponds, laisse-le répondre. Les Irakiens ne parlent pas arabe. Ça veut dire que c'est l'Irak en Arabie. Merde. Regarde-moi quelqu'un. J'ai dit l'Arabie générale. On avance. Moi, je parle arabe. Je me trouve en Arabie saoudite. Regarde-moi quelqu'un. Allons-y. Continue à creuser ta tombe. Je vais t'enseigner aujourd'hui. Allons-y. Regarde-moi quelqu'un. Allons-y, Cheikh. Allons-y. Laisse-le poli. Écoute. Ça fait 2 minutes. La langue des Irakiens, ce n'est pas l'arabe. Les Irakiens, les Iraniens, c'est pas l'arabe. Va te renseigner. C'est pas l'arabe. C'est l'arabe qui arrive à l'arabe. L'islam qu'on parle là-bas, c'est quoi? C'est pas l'arabe. Je te dis que la langue nationale de l'Irak, c'est pas l'arabe. L'islam qu'on fait là-bas, c'est en quelle langue? Est-ce que pratiquer l'islam, monsieur, est arabophone? S'il te plaît, que moi, je t'en prie. Est-ce que pratiquer l'islam, monsieur, est arabophone? Je t'en prie. Moi, je pratique l'islam, monsieur, arabophone. Tu parles arabe? Tu n'es pas arabophone? C'est tous les musulmans qui parlent arabe. Tu n'es pas arabophone? Non. C'est faux. Tu ne parles pas arabe. Parce que la pas arabophone. S'il te plaît, en poussant. C'est quoi être arabophone? Ça veut dire c'est parler arabe. Restons sur l'essentiel, Cheikh. Non, je vais lui enseigner. Voilà, restons sur l'essentiel. D'accord. Tu vas déconstruire son mensonge. D'accord. C'est quoi un arabophone? C'est quoi un francophone? C'est quoi un anglophone? Va te renseigner, il faut aller apprendre. Revenons-nous sur le truc. Je voulais te montrer qu'il ne connaît même pas de quoi il parle. Il n'a pas fait les copier-coller sur le net. Il parle d'Ibn Hisham. Ibn Hisham, c'est un arabe. C'était un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un des deux. Ibn Hisham? Oui, Ibn Hisham. On dit Ibn. Écoute, monsieur Yamsi. Ibn Hisham était un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a rapporté de certains hadiths
à partir de l'Irak. C'est-à-dire qu'il a émigré après la mort du prophète Mohammed sallam. Mais maintenant, la question qu'on se pose, monsieur Niamsi, quels sont les khalifs de l'islam? C'est-à-dire après la mort du prophète Mohammed sallam, qui a été ses successeurs? Premier khalif de l'islam, Abou Bakr, arabe, Quraychite, monsieur. C'était pas un étranger. Oui, ça tombe. Deuxième successeur, Omar. Oui, ça tombe. Troisième successeur, Ousmane, des Arabes. Où sont les tombes? Quatrième successeur, Ali, des Arabes. La tombe de Abou Bakr, Omar, son voisin à la tombe du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Monsieur Niamsi Numba, oui. un héros peut vivre dans une superficie bien déterminée, mais il meurt sur une autre terre. Bien sûr. Alors, je vais prendre l'exemple de Marcus Garvey qui a lutté pour la renaissance de l'Afrique, mais qui finalement est mort aux États-Unis. Il est mort aux États-Unis. Oui. Mais comment ne trouve pas sa tombe aux États-Unis, en Afrique? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé. On est d'accord. Parce que sa tombe, c'est pour ça qu'il ne comprend pas. Je parle de la tombe du prophète Mohammed qui est à Médine, il dit non à la Mecque. Tu te parles de Médine, tu parles de la Mecque. Mais va à la Mecque, va à Médine, tu vas trouver la tombe. Ça, c'est un des deux. Quand tu arrives à la Mecque ou à Médine, on va te montrer les cimetières, les vastes cimetières. On va te montrer les endroits où les compagnons sont morts. On va te montrer les endroits où il y a des conflits, des batailles. On va te montrer les endroits où il y a les conflits, les batailles, où ça s'est déroulé. C'est manuscrit. Maintenant, il dit que pour faire la biographie d'un individu, il faut vivre autant de l'individu. Tu as appris ça où? Tapez biographe dans votre. Tu connais ce qu'on appelle les griots? Tapez biographe. Laisse-moi, s'il te plaît. Je vais t'enseigner. Monsieur Niamsi, c'est quoi le rôle des griots en Afrique? Il n'y a pas de griots en Afrique. Écoute. Mais... un griot, c'est celui qui transmet les récits des ancêtres. Parce qu'il mémorise les récits des ancêtres. Ce n'est même pas écrit. C'est mémorisé. Est-ce qu'il y a des griots qui n'ont jamais existé au temps des ancêtres? Quand tu racontes les histoires des peuples anciens, ils n'ont jamais existé. Mais ça se transmet de manière orale, parfois de père en fils. Il y en a même qui en ont fait une spécialité. C'est comme ça que le Coran s'est transmis. D'accord. De manière orale. Donc quand tu parles, que ce ne sont même pas les Arabes, tous venaient des machins. Abou Bakr, Omar, Ousmane, tout ça, les khalifs, venaient d'où? C'était des Arabes. Et qu'en est-il du chrétien arabe qui, sur la première pièce dont il parle, a inscrit une croix? C'est du mensonge. Écoute, il a tout à l'heure dit que la femme du prophète Mohammed était juive. Tu dis la femme, il avait plusieurs femmes. Khadij n'était pas juif. Elle était quoi? Elle était arabe, 1000%, même pas 100%. D'accord. Arabe. Merci, Cheikh. Merci. Attends, je vais chuter. Parce que c'est l'islam qui est. On est à 6 minutes. Hein. Il n'y a pas de problème. Mettez-moi 30 secondes. Khadij était quoi? Elle était arabe. Elle avait épousé une femme copte, Maria. Il a épousé une autre femme juive. Mais Khadija, sa première épouse n'a jamais été juive. Et maintenant, comment est-ce qu'il peut démontrer l'existence des juifs qui est au temps du prophète Mohammed sallam? Comment il va démontrer ça? Question. Parce qu'il dit, le prophète Mohammed n'a jamais existé, mais il réussit à démontrer qu'à cette époque-là, il y a des juifs qui ont existé. Et que ces juifs n'ont jamais raconté l'histoire du prophète Mohammed. Comment il peut expliquer l'existence? Comment il peut démontrer l'existence de ces juifs? D'accord, à ce moment-là. D'accord. Merci, Cheikh. Voilà, madame, messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes sur Kemet Télévision et vous suivez votre émission Kamita. C'est un face-à-face qui oppose le Cheikh Ali Sanga, imam prédicateur, et l'historien des religions, Kemwe Kamgan. Alors, Kemwe, tu as suivi de bout en bout Cheikh Ali qui a pratiquement balayé d'un revers de la main tout ce que tu as dit. Nous allons avancer dans le débat. Oui, c'est normal parce que vous voyez tout ce qu'il cite depuis là, c'est le Coran. Vous voyez un peu? J'ai cité un verset Coran. Non, s'il te plaît, on le laisse poursuivre. Allons-y. Alors, première chose, il dit que il y avait les griots en Afrique. Je balais ça du revers de la main. Il n'y a jamais eu de griots en Afrique. Comprenez? Il n'y a pas de griots en Afrique. Oui, monsieur. Vous connaissez c'est la langue? Pas possible. Griot, c'est en quelle langue? Griot, ce n'est pas le français. Alors, vous n'allez pas voir des mémoralistes. C'est-à-dire, si on veut être correct, ce sont des mémoralistes. Ce ne sont pas des griots. Griot, c'est quelqu'un qui chante des choses qui n'ont pas de sens. C'est un griot. D'ailleurs, c'est entré même dans le français, on dit que tu parles comme un griot. Ce sont des mémoralistes. Ça, c'est la première chose. Il dit que Ibn Hisham est de la période du prophète. Mais c'est curieux pour un musulman de le dire.
que Ibn Hisham est de la période du prophète. Bien sûr. Oui, il est né en quelle année? S'il te plaît, vous pouvez nous dire, donner l'année de la naissance du prophète de Ibn Hisham? Vous pouvez nous donner? Ibn Hisham est irakien. Il faut que cela soit dit. Ibn Hisham est irakien. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il fait une biographie 200 ans après la supposée mort du prophète. 200 ans. La Sirat Rasulullah. 200 ans. C'est ce qu'il faut comprendre. Autre chose, il dit que les Juifs ont fait comment pour paraître? Mais attendez, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'année 570. Il y a eu l'année 570. Si. Alors, vous ne venez pas nous faire croire que parce que votre prophète-là n'a pas existé, que l'année 570 n'existe pas comme chronologie. Mm-hmm. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, voilà la question. Alors, je reviens donc sur la pièce de monnaie. Parce que c'est pourquoi il fuit l'archéologie. Je n'ai pas dit que la tombe du prophète, de leur supposé prophète, devait être à la Mecque. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il est né à la Mecque. Il a eu une famille, il a eu une ascendance. Alors, pour vérifier de la véracité de ce fait, l'élément clair, c'est quoi? Il a cité ses successeurs tout à l'heure. Lesquels? Je lui ai dit, comment pour dire, donnez-nous la tombe, allez-nous montrer les tombes. La tombe, c'est quoi? La tombe, c'est quoi? C'est aussi une preuve quand même. Monsieur, quand on dit cette tombe, quand on dit d'un personnage, on peut faire des fouilles archéologiques. Monsieur Sanga, j'avais la parole. Vous comprenez? Quand on a dit que les pharaons n'étaient pas des noirs, on est parti sortir les momies. On a demandé un morceau de peau pour vérifier de leur couleur raciale, de leur race. Alors, on nous dit que Mohamed aurait existé. Très bien. Tombons même d'accord dessus. C'est simple qu'il est enterré à Médine. Mais laissez aux historiens l'opportunité de venir vérifier. C'est comme ça qu'on a découvert le faux Saint-Suaire de Turin. Mmh. On a découvert qu'il a été fabriqué de toutes pièces par l'Église catholique. Alors, que les musulmans nous laissent donc laisser aux historiens, aux archéologues, d'aller fouiller, d'aller voir cette tombe, d'aller déterminer de quelle période elle date, parce qu'il y a des moyens pour le dater. D'aller fouiller la tombe des supposés khalifs qui auraient succédé au prophète. Qui nous donne donc ces éléments? On part au fouille et on clôt le débat. Pourquoi on veut s'arc-bouter sur un élément qui n'existe pas? J'ai dit déjà que si l'élément central, il est né à la Mecque, n'existe pas, tout le reste est faux. C'est l'élément central. Parce qu'il faudrait qu'on nous détermine de l'existence de la Mecque. Parce qu'à travers là, on va savoir, oui, il a eu une généalogie. C'est quelqu'un qui a eu des ancêtres. Et lui, il n'est que le résultat de ces ancêtres-là. Mais on ne peut pas les déterminer à la Mecque. Je vous ai dit qu'il n'y a même pas un tertre à la Mecque. Parce que c'était un endroit aride. Et sur le plan archéologique encore, vous vous rendez compte que ce supposé prophète, s'il a existé, il n'a pas compilé l'islam. Je veux dire le Coran avant de mourir. Lui, il n'a pas fait la compilation du Coran avant de mourir. Comment Allah peut donner donc son message à quelqu'un et la personne ne se rassure pas de la compilation des messages? Comment il se rassure de la fidélité qui sera faite de cela? Ça, c'est la première chose, une chose. Deuxième chose, c'est quoi? Lui-même, il n'a pas expliqué le Coran, le supposé prophète de l'islam. Il n'a pas expliqué le Coran à ses succédanés. C'est pourquoi ça a créé des guerres inouïes. Et ils ont ce qu'ils appellent le kutub tafsir. Je prononce peut-être mal, c'est l'exégèse. Il y a les exégètes dans le Coran, ça peut vous rendre malade. Parce que chacun veut interpréter suivant ce qu'il entend. Et c'est ça qui crée tous les schismes qu'ils ont dans le Coran. La confusion. Vous comprenez? Parce que leur supposé prophète, c'est l'une des preuves que ce type n'a pas existé. Parce que la moindre des choses, c'est quoi? Quand vous donnez votre, monsieur Nam, si vous donnez votre testament, le notaire écrit, vous vous rassurez de relire le testament, non? Avant de dire que bon, c'est bon, consigne-le. Mais vous, un type donne un testament divin, mais il ne se rassure pas que le testament qu'il a donné est un testament authentique. Et il meurt comme ça, et ça crée, n'est-ce pas, un tohu-bohu général dans le monde islamique. Vous voyez très bien que, avant ce prophète, la déclaration de foi monothéiste existait déjà avant sa naissance, avant sa supposée naissance. Il n'y a de Dieu que Dieu. Cette déclaration monothéiste existait. Les Abbassides ont donc récupéré cette déclaration monothéiste. Ils ont ajouté donc le nom de Mohammed de leur personnage fictif pour donner un sens à la nouvelle religion qu'ils créaient. Et pourtant, on a la déclaration de foi monothéiste avant. C'est même, il y a des inscriptions. La déclaration de foi monothéiste avant la naissance de ce supposé prophète. Donc, vous voyez très bien que, entre toutes ces dédales-là, c'est-à-dire de forcer, et c'est pourquoi vous allez voir, les hadiths font ceci de magnifique. Le Coran ne parle presque pas du prophète. Le Coran ne parle presque pas de lui. Mais puisque tu l'as souligné en début d'émission, ce n'est que trois fois. Trois fois. Et trois fois, là, ce n'est pas un nom propre.
C'est un nom, je veux dire, c'est un qualificatif. Donc Jésus peut être Mohammed. On peut dire que Jésus est Mohammed. Et chaque fois qu'on veut donc parler du prophète dans le Coran, quel est le nom qu'on utilise justement pour faire... La seule allusion, je veux chercher la sourate, la seule allusion où on fait... où cela semble, et vous allez voir même l'interprétation est encore douteuse, où cela semble être fait référence à lui, n'est-ce pas? J'ai dit c'est la seule allusion, je parle bien d'une allusion, où ça semble faire référence à lui, c'est vague. Vous comprenez un peu ce que je dis? La seule allusion, ça fait donc que dans tout le reste du Coran, on parle de Moïse, on parle du Pharaon même, le Pharaon qu'il déteste fondamentalement, on parle de ces personnages, des cinquantaines de fois. D'accord. Mais le prophète lui-même, sa vie n'y est pas, c'est pourquoi on a donc fait les hadiths. C'est quoi on a fait dans la Sunna pour pouvoir inventer un personnage de toute pièce, n'est-ce pas? Pour le poser comme tel, afin que les gens puissent accepter de sa présence sur la terre. D'accord. Alors, Cheikh Ali, c'est quand même curieux de ne pas parler du prophète dans le Coran. Or, ce sont ses enseignements en principe qui s'y trouvent. Deuxième question, est-ce que y a-t-il d'autres éléments pour définir l'historicité du prophète Mohammed en dehors de sa tombe? Parce que toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, quand on prend le cas de l'Égypte ancien et ses monarques qui existaient longtemps avant l'avènement du prophète Mohammed, il y a quand même des vestiges au-delà des corps momifiés. Nous avons des gravures sur des pierres qui ne laissent aucun doute aujourd'hui qu'effectivement, ils ont existé. Monsieur Niamsi Nyumba, oui. Le livre, le Coran, est une preuve suffisante. N'en déplaise ok, mais qui ne parle pas du prophète alors que qui a dit ça ne parle pas du prophète? C'est ce qu'il dit. Il a lu le Coran où? Quand il parle du prophète où? Il parle monsieur Miamchi, je vais lire un verset coranique dans la sourate 3 verset 164. Allah dit Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager issu d'eux-mêmes qui les récite, tu veux bien, qui les récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Et leur enseigne quoi? Le livre, et, le la livre et la sagesse. Enseigner veut dire quoi? Il connaît quoi? Et leur enseigne le livre et la sagesse. Donc Dieu a révélé pour ça le Coran, il leur enseigne l'explication du Coran. Il leur enseigne le livre et la sagesse, puis bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement manifeste, le peuple. Dieu a envoyé le prophète Mohammed avec un livre, le Coran, pour enseigner. Il reçoit la révélation, il enseigne. Et à chaque fois, l'ange Gabriel venait réviser le Coran avec lui, il révisait avec ses compagnons. La meilleure façon de fixer le meilleur rassemblement du Coran, monsieur Niamsi, ce n'est pas sur un support, ce n'est pas sur une peau de vache, ce n'est pas sur un feu d'arbre, sur la tête. Mm-hmm. Aujourd'hui, S'il avait comme brûlé tous les Corans du monde entier, je vous dis, monsieur Niamsi, on récupère 5 enfants de moins de 10 ans musulmans. Ils ont tout le Coran dans la tête. On réécrit le même Coran. Donc, quand il dit que ouais, le code, quel codex? Le codex, c'est dans la tête des musulmans. C'est dans la tête. Ça se transmet de manière orale. Quand il dit que les griots n'existaient pas, oui, le mot griot n'existait pas. Mais la pratique, le sens existait. Et qu'est-ce qu'il raconte? Le mot n'existait pas. Mais ce qui se faisait, c'était la transmission orale des récits des anciens. C'est comme ça le Coran. C'est ça le codex. C'est là, dans la tête des musulmans, mon frère. C'est là. Puisque le matériel disparaît. Le matériel disparaît. Tu ne connais pas ça. Maintenant, il parle. Tout à l'heure, permettez-moi, monsieur Niamsi. Parce que quand il dit des bêtises, il faut qu'on corrige. Il dit que Khadija était juive. La femme. Le premier sang parmi ses épouses, il avait une qui était juive, s'appelait Safia. Celle qui était d'origine juive, parce qu'elle s'est islamisée. Celle qui était d'origine chrétienne, copte et égyptienne, s'appelait Maria. C'était les deux. Tout le reste, c'était des Arabes. Il faut applaudir quand je dis ça, mon frère. Mais tu dis, quelle ineptie? J'applaudis les inepties. Parce que tu ne peux pas prouver le compte. Tu dis les racontes. Maintenant, vous parlez de l'archéologie. Est-ce que l'archéologie est la seule preuve pour montrer l'existence de quelque chose? Non, de donner d'autres preuves. Les preuves sont écoutées. Lesquelles? Écoutez, s'il te plaît. Écoute, la preuve archéologique, comme tu dis, la meilleure preuve archéologique, c'est les tombes, les fouilles, lorsqu'on fouille dans la terre. Maintenant, tu demandes, laissez-nous, qui a voulu partir regarder se renseigner au niveau de la Médine, au niveau de la du royaume arabique? Je vais vous donner écoute,
Écoute, n'accompagne pas les choses. Si, allons-y, avançons. La tombe est là. La preuve en est que beaucoup de musulmans, lorsqu'ils vont faire le pèlerinage, ils vont visiter la tombe du prophète Mohammed. La révélation, là, le livre est là. Il n'y a pas sur cette terre deux versions du Coran. Monsieur Nam, si vous savez que toute œuvre humaine est parfaite, vous connaissez un Coran qui a plus de 114 sourates, mais moins de 114 sourates, ça n'existe pas. Tous les Corans sur la terre ont 114 sourates, pas plus, pas moins. C'était une œuvre humaine. Dites-le, dans tous les pays où il y a des musulmans, vous allez trouver au moins un musulman qui a tout le Coran dans la tête. Voilà le codex qui demande. Donc ça, ce sont des preuves. Sans compter la généalogie. Je lui ai posé une question. Il reçut à dire que à ce temps-là, cette époque-là, on parle du soi-disant, comme il dit, existant de la soi-disant, existant du prophète, il y avait les juifs. Est-ce qu'il peut prouver l'existence matérielle de ces juifs oui. à la Mecque? Oui. Oui. L'existence archéologique, on parle de la Mecque. Oui, oui, oui. Quelle oui. tombe de oui. quel juif existe oui. oui. à la Mecque? Oui. Donc, alors, pour faire simple, j'ai dit, l'islam a connu plusieurs batailles. Monsieur Niamsi, quand il y a eu des batailles, comme on parle, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, on connaît où ça s'est passé. Vous et moi, nous n'étions pas là. Est-ce que nous étions là? Non. Mais on connaît où ça s'est passé. Mm-hmm. Et il y a des preuves. Par exemple, la bombe atomique a causé des anomalies génétiques chez beaucoup de victimes. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est perceptible. C'est perceptible jusqu'à aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, c'est comme pour dire quoi? Et il y a eu plusieurs batailles. La bataille de Uhud, la bataille de Badr, la bataille des tranchées. Il y a eu plusieurs batailles. Actuellement, j'ai dit, si ces gens n'ont pas existé, qu'il aille en Arabie, tu peux aller à Jeddah, tu peux aller à Riyad. Jeddah, c'est la capitale économique, Riyad, c'est la capitale politique. Tu peux aller là-bas. Tu vas trouver les guides touristiques. Justement, tout à l'heure, il a parlé de ces batailles-là en disant que c'est la raison pour laquelle, parce qu'il y a des factions qui voulaient justement imposer leur hégémonie en termes de primauté de la religion islamique. Et puis ça a créé donc justement cette bataille-là. Non, les batailles, la première bataille, c'est avec ses propres frères courageux. Ce ne sont pas avec les juifs ni les chrétiens. La bataille a commencé avec ses propres frères, le prophète, ses oncles. Ce sont ses propres oncles qui l'ont chassé, qui l'ont persécuté jusqu'à chercher à le tuer. C'était pas avec les juifs ni les chrétiens, non. C'était pas avec les juifs ni les chrétiens. Ça, il ignore ça. C'est plus tard, quand il a émigré vers la Mecque, que les juifs ont commencé à conspirer avec les arabes courageux pour combattre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils avaient des pactes de paix qui étaient établis. Je l'ai prouvé sur ce plateau plusieurs fois, qui étaient établis. Et chaque fois, c'est eux qui dérogeaient au pacte. Donc les musulmans devaient riposter. Pour se défendre. D'accord. Donc, il s'agit que c'est terrible. Il dit, l'ange Gabriel venait contribuer à asseoir le Coran, n'est-ce pas, dans la tête des fidèles musulmans. Vous savez, l'une des meilleures... Pas des fidèles sur le prophète Mohammed. Sur le prophète, d'accord. Il remisait avec lui, et lui maintenant remisait avec les fidèles. D'accord. Vous savez, l'une des manières de lobotomiser un homme, c'est-à-dire de lui enlever une partie de son cerveau, c'est de lui faire répéter une chose plusieurs fois. C'est une tactique que Mobutu utilisait très bien avec ses opposants. Il vous prend, il vous met en prison, il vous fait tourner une cassette infinie, et Mobutu est le meilleur des présidents. Quand vous sortez les journalistes, on a le même système avec une certaine radio française qui répète les mêmes choses, même pour si c'est le mensonge, donc, vous finissez par croire que c'est la vérité. Donc l'islam est dans cette logique-là de lobotomisation. Si un enfant déjà à 9 ans peut réciter tout le Coran, sachez que son cerveau est bousillé. Alors, vous voyez, il lit la sourate, je pense, c'est 174, mais il ne lit jamais la sourate 144 de la sourate 3. Qui dit quoi? Là où on parle de Mohammed comme étant un des prophètes et qui n'est que la suite des autres prophètes. Et la sourate 33, 10, 40 dit qu'il est le dernier qui a clos, n'est-ce pas, la prophétie, le dernier qui a clos. Alors, j'ai lu ces deux sourates, c'est-à-dire la sourate 344 et la sourate 575, pour montrer qu'il y a confusion entre... La sourate 3, verset 144. Laissez que quand je tu dis 344, c'est comme si... Préciser, la sourate 3, verset 144. Quand tu dis il n'y a pas de confusion. C'est comme si la sourate 5, verset 75. Voilà. Donc, quand j'ai lu ces deux sourates, vous voyez que quand vous les rapprochez, c'est le même personnage en fait. Jésus est Muhammad, en fait.
Comment c'est ça? Le même. Comment ça? Lisez-le. Lisez-le, c'est Muhammad. D'accord. Pour que les téléspectateurs notent, vous avez dit la sourate 3. La sourate 3, la sourate 5, verset 144. Et la sourate 5, verset 75. Qui lise oui. Pourquoi on comprend ce donc, qui, pourquoi il dit ça? Voilà donc, je vais dire sur ce plan-là. Qu'est-ce que ça donc, dit? Il faut lire pour que les téléspectateurs suivent. Je donne un résumé, n'est-ce pas? Je donne un résumé, n'est-ce pas? Où Muhammad. S'il te plaît, chez Khalil, s'il te plaît, ce n'est pas toi qui modèle le débat. C'est pas toi qui pose les questions, je t'en prie. S'il te plaît, laissons-le aller. Je veux simplement montrer que les deux versets là, n'est-ce pas, font la confusion Jésus-Muhammad, n'est-ce pas? Parce que dans ce verset, le Muhammad prend le titre de l'élu ou de l'aimé. Dans ce verset. Donc ça veut dire que parler de Muhammad ici comme nom propre, c'est faux. Vous comprenez? Et d'ailleurs, quand il dit que le Dieu a révélé au prophète, ça peut être n'importe quel prophète. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Parce que j'ai dit que Mohammed n'est cité que quatre fois. Quand il dit Dieu a révélé au prophète, ça peut être n'importe lequel des prophètes. Ça peut être pas Abraham, forcément Mohammed. Pas forcément Mohammed. Ça peut être Abraham, ça peut être Moïse, ça peut être et les autres. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il dit que le Coran est authentique. Je l'invite à lire le psaume 1, du premier verset au verset 6 et la Fatiha. Mm-hmm. C'est un copier-coller de la Fatiha. Un copier-coller. Alors, si c'est authentique, c'est un texte authentique, comment on peut retrouver les mêmes textes? Et vous allez voir, ils ont repris même la somme 1, verset 1 à 6, et la Fatiha. Vous allez constater que c'est le même texte, en fait. Et ce sont des ouvrages qui sont antérieurs au Coran. Antérieurs au Coran. D'accord. Et c'est pourquoi vous allez voir dans le Coran, ils ont même pris des poésies de l'Asie centrale. N'est-ce pas? Des poésies de l'Asie centrale qu'ils ont remis dans le Coran, ils ont remanié. N'est-ce pas? Ah, et ils viennent nous dire que c'est un texte authentique. Non, ça ne peut pas être un texte authentique. La preuve, il y a un hadith, je ne sais plus lequel, je veux le chercher, où Mohammed avait entendu quelqu'un réciter le Coran. Aurait entendu. Et il a dit, mais qui récite aussi bien le Coran? C'est une partie du Coran que moi j'ai oublié. Ah bon? Oui, c'est un hadith. Je vais vous chercher ce hadith. Et c'est Al-Bukhari qui rapporte ce hadith. D'accord. Alors, donc si lui, il pouvait oublier le Coran, comment on peut me dire qu'il y a transmission fidèle? Vous voyez très bien que rien qu'à partir de là, on peut détruire une thèse. Bien sûr. La thèse de l'authenticité du Coran. Le Coran ne peut pas être authentique dans ce, puisque celui qui reçoit donc est dans l'incapacité lui-même de retenir tout ce Coran qu'il a reçu. Donc vous voyez très bien que rien qu'à partir de là, ce sont des thèses qui, de mon point de vue, ne peuvent pas tenir. Et il revient sur le tombeau. Moi, je ne suis pas sur l'affaire du tombeau. Je ne suis pas. Il a dit quel est l'auteur qui est parti chercher, on l'a refusé. Il dit que puisque c'est pas seulement l'archéologie qui peut déterminer l'historicité de. Mais l'archéologie vient trancher le débat. Ouais, nous sommes d'accord. Ouais, l'archéologie vient trancher le débat. Pourquoi? Pourquoi on a lancé une loi, une fatwa contre Salman Rushdie? Parce qu'il a écrit les versets sataniques. Si quelqu'un se permet d'écrire les versets sataniques et si quelqu'un ose venir demander à fouiller la tombe où on aurait enterré le prophète, vous voyez que celui-là, on va le pulvériser en plein vol. Et je vais prendre le nom d'un auteur, tu as dit qu'ils n'ont pas cherché. L'école allemande est l'école la plus sérieuse en matière d'islamologie. Il y a un auteur, Christophe Lussenberg, c'est un faux nom qu'il a pris. Parce que quand il a commencé à faire les travaux sur l'islam, ses thèses ont tellement dérangé qu'on l'a menacé de mort. Il est obligé de changer de nom, il a pris donc Christophe Lussenberg, qui est un faux nom sur lequel il écrit. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors, on peut venir nous dire ici, non, qui est venu chercher, on a refusé. Mais vous faites ça à la première, vous ne sortez pas de l'Arabie Saoudite. À la première occasion, non, quelqu'un vous tranche. Vous voyez un peu? Donc, il y a ces blocages qui font que eux-mêmes, ils savent pertinemment. Si on demande à fouiller là-bas, il n'y a rien. C'est un vide artistique. Pourquoi? Parce que moi j'ai dit, on revient à la Mecque. Donc c'est qu'elle fait de la mauvaise foi. Oui, c'est de la très mauvaise foi d'ailleurs. Très mauvaise foi. Parce que moi, si je ne peux pas me permettre d'aller à la Mecque, dire que je veux faire les fouilles. Non, monsieur, je ne sors pas de là. Je ne sors pas de là. Alors, vous voyez très bien que c'est pourquoi ils évitent la Mecque. Ils évitent la Mecque justement parce que si on part à la Mecque, parce qu'il faut d'abord retrouver même la généalogie du prophète. Hein? Abdullah, Abdou Talib, Abou Talib et le reste. Il faut retrouver déjà sa généalogie. Parce que si on ne peut pas retrouver cette généalogie, qui est alors en face de nous qu'on présente comme un prophète? Qui est en face de nous? Nous sommes dans le noir total. Alors, et ça fait donc que on fuit le débat, on le biaise, on dit qu'il y a les succédanés du prophète qui ont pris le Coran après lui. Moi, je veux bien qu'ils soient enterrés où on a enterré le prophète, mais qu'on aille aussi fouiller là-bas. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, je maintiens et je dis que l'islam est une fondation des Abbassides.
des Abbassides, parce que tous les théologiens de l'islam sont nés en Irak, dans la zone du Khorasan. Et tous ces théologiens ont fondé la théologie islamique. C'est eux qui ont fait les exégèses de l'islam. C'est pourquoi ils parlent des hadiths tout à l'heure, qu'il y a les faux hadiths, il y a les bons hadiths. Mais pourquoi vous triez les hadiths encore? Parce qu'il faut contrôler la production de ces derniers. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des hadiths qui sortent de l'orthodoxie que, n'est-ce pas, ces théologiens ont élaboré. D'accord. Pour chuter, je te pose une petite question pour chuter. Est-ce qu'il est possible de se rendre compte à l'évidence, effectivement, qu'un fait est un mythe, mais de pratiquer cette religion-là en étant si pointu? Ou alors il y a également de l'ignorance à l'intérieur? Première chose que je puis dire, c'est que la religion musulmane entretient l'ignorance. C'est le premier élément. Parce que si on vous dit qu'il n'y a qu'un seul livre, d'ailleurs, regardez même la sourate 33, verset 40. On vous dit qu'un type est venu clore la lignée des prophètes. Mais c'est chercher la guerre aux autres peuples. Donc ça veut dire que les autres n'ont même plus le droit d'avoir des prophètes. Et puis c'est aussi prétentieux parce que je ne pense pas quand même que si ça avait même été le cas, Allah a demandé à prophète que comme tu parles, tu es le dernier. Tu es le dernier. Oui. Et je vais vous dire une chose, Yamsi. Pourquoi il n'a pas pu compiler le Coran? Supposément, ça c'est ma petite analyse. Ça veut dire que certainement Allah devait encore lui révéler certaines choses. D'accord. Et entre temps, il est mort sans avoir eu les révélations. Il nous reste 10 minutes d'émission, ça va assez vite. Et donc, il soulève deux sourates qui sont assez importantes. Mm-hmm. On dit une sourate, non? Oui, une sourate. La sourate 3, verset 144, et la sourate 5, verset 75. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer davantage par rapport à ces, puisqu'il a fait comprendre que ce sont ça, des... Ça parle de même, tu as dit que le prophète Mohammed, c'est Jésus. Oui, c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Oui. Je voudrais que vous lisez ça vous-même, monsieur Yamsi Nyomba. D'accord. Sourate 61, verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit... Ô enfant d'Israël, d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah. Je suis vraiment le messager d'Allah. Envoyé à vous. Confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi. Confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi. Et annonciateur d'un message à venir. Et quoi? Moi. Annonciateur. Et quoi? Annonciateur. Et annonciateur de... D'un message à venir après moi. D'un messager. Dont le nom sera. D'un messager. D'un messager autant pour moi. Oui, oui. À venir après moi. Dont le nom sera Ahmad. Merci beaucoup. Écoute bien. Tu me soumets là un exercice. Non, je voudrais que tu lises pour que les spectateurs ne pensent pas que je fabrique. Nous sommes dans le Coran. Hein. Ça, c'est Jésus-Christ qui vient annoncer l'arrivée du prophète Mohammed. Il annonce son arrivée. Comment les deux sont égaux? Quand je dis que mon ami pas fouillé dans la poubelle. Dans la poubelle du net de Google. Dans la poubelle. Il ne cherche pas du bon côté. Mais quand il dit aussi que le prophète est venu clore. Bon, non, attends, je vais arriver là-bas. D'accord. Je vais vous demander que le prophète Mohammed, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas, pas le même personnage. Mm-hmm. D'accord. Maintenant, je continue. Il a parlé en parlant de fouilles archéologiques, je lui ai dit que l'islam a ses principes. Et il y a le ministère du tourisme en Arabie Saoudite. Qu'il va auprès du ministère du tourisme, on va lui donner toutes les références palpables de ce qu'il veut. Point barre. Donc c'est possible. Donc toi les références, je ne fouille pas, on me donne les éléments que non, mais bien sûr, je t'ai dit ceci, il y a plusieurs façons de montrer l'existence d'un individu. Et que dans cette démarche-là, il y a les fouilles archéologiques qui sont fausses même. Il y a des preuves, il y a des scientifiques. Écoute, mon frère, c'est pas possible. N'est-ce pas que les statues ont montré à partir des fouilles archéologiques que les pharaons étaient blancs? C'est Cheikh Anta Diop qui vient démontrer le contraire. Mm-hmm. Mais si Cheikh Anta Diop n'était pas là, ce mensonge devait continuer. Mm-hmm. Alors, c'était les fouilles archéologiques. Les occidentaux ont saboté l'archéologie égyptienne. Ils ont saboté. C'est chaque entendu qui vient réveiller l'humanité en partant de l'Afrique pour démontrer que c'est faux ce qu'ils disent. Mais c'était à partir de fouilles archéologiques. Donc maintenant, tu as dit que ce n'est pas toute fouille archéologique qui démontre la véracité d'une chose. Mais l'archéologie mécoise peut quand même être permise. Bien sûr, non, je suis mal placé pour le dire parce que je ne travaille pas dans le ministère dans ce domaine-là. D'accord. Je suis mal placé pour le dire. Mais je dis que la tombe existe. D'accord.
dans le livre. Le livre existe. La généalogie existe. La généalogie existe. La religion. La religion existe. Donc, c'est pas pourquoi il veut nous embrouiller. Maintenant, il dit le premier sasala. Il a parlé qu'il a oublié les versets coraniques. Un compagnon lui a raconté. Il a suivi quelqu'un citer des versets. J'ai écrit encore ça. Sur la 75, verset 17. Allah dit son rassemblement, rassemblement du Coran, son rassemblement dans ton cœur, sa fixation dans ta mémoire nous incombe ainsi que sa façon de réciter. Donc c'est Dieu qui compile, qui rassemble le Coran dans la mémoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme c'était un être humain peut être faillible, l'ange Gabriel vient réviser le Coran avec lui pour être sûr qu'il a fixé ce qu'on lui a. Et maintenant lui il transmet donc à ses compagnons un exercice simple et facile. Donc il n'a pas oublié une partie. Il n'a pas plus que la révision. Et surtout le mois de Ramadan, là Gabriel venait à deux reprises pour réviser le Coran avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quand il est passé où Allah dit on a envoyé un messager à un peuple, il dit le messager ça peut être n'importe quel messager. Il y a le contexte de mon frère. Il y a le contexte. Tu le sais très bien. Quand on lit un texte, il y a le contexte. L'individu peut être cité de manière implicite ou explicite dans un texte. Ça, c'est la connaissance basique en matière de littérature. Et c'est lequel donc? Et s'il est cité de manière implicite, tenant le contexte, il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le contexte, mon frère. Maintenant, il a encore. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de. J'ai fini avec ça. Donc, je veux dire simplement que quoi? Qu'il ne peut pas démontrer l'inexistence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que. Il n'est pas plus intellectuel que le nom qu'il veut citer maintenant. Nous avons par exemple, selon Phil Parshall, évangéliste américain, les musulmans sont plus bibliques dans leur forme d'adoration que ne le sont les chrétiens. Gustave Le Bon le dit. Dans son ouvrage intitulé La civilisation arabe, j'ai lu ça, nous avons l'encyclopédia Britannica, 11e édition. Selon l'ancienne, c'est une encyclopédie qui est de référence, qui est connue. 11e édition. Mohammed fut la personnalité qui a connu la plus grande réussite parmi les personnages religieux. Ça, c'est l'encyclopédie qui le dit. Lui, il est qui? Vous dites qu'il est qui? Quand on parle d'encyclopédie britannique, James Draper affirme 4 ans après la mort de Justinien, naissait à la Mecque en Arabie l'homme qui parmi tous les hommes allait exercer la plus grande influence sur la race humaine. Il s'agit de Mohammed. Nous avons, je peux citer, Maurice Bucaille, homme scientifique français. On va rapidement, on est pratiquement à la fin. C'est mon temps de parole, je crois. Maurice Bucaille, homme scientifique très reconnu, très réputé, une analyse purement objectif du Coran à la lumière des connaissances modernes nous amène à reconnaître l'harmonie existence entre les deux. Ainsi qu'on l'a fait ressortir à maintes reprises, on a du mal à s'imaginer qu'un homme du temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait pu être l'auteur d'une telle affirmation. Compte tenu du niveau intellectuel de l'époque, de telles considérations répondent en partie à la place exceptionnelle qu'occupe la révélation coranique et contraint le scientifique impartial à admettre son incapacité de fournir une explication uniquement fondée sur la logique matérielle. D'accord. Donc on a Michael Hart, on a plusieurs. Ce sont des penseurs libres. Penseurs libres scientifiques. On a les historiens, on a les religieux qui parlent de l'existence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Malheureusement, on a 1 minute et demie. En 1 minute et demie, j'espère véritablement que tu pourras faire le condensé de tout ça en 1 minute, parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Bon, vous voyez, il fuit les questions. Quelles questions? On donne sourate 3, verset 144, il parle d'une autre sourate. On donne sourate 5, ça, verset 75, il parle d'une autre sourate. Vous voyez, c'est une fuite en avant. Moi, tu demandes alors, sourate, tu as s'il te plaît, chèque, nous sommes arrivés à la fin. La sourate même qu'il a lue, on dit que son nom sera Hamad, pas Muhammad. Ahmad. Ahmad, regardez bien la nuance. On n'a pas dit Muhammad. Ahmad, c'est qui? Ahmad, c'est le loué, l'élu. C'est qui? L'individu là, c'est qui? C'est qui? Ce n'est pas Muhammad. C'est qui? Puisque le nom que tu donnes, c'est Muhammad, ce n'est pas Ahmad. S'il te plaît, Cheikh, nous sommes arrivés à la fin. Non, monsieur, c'est qui alors? Allons-y, allons-y. Alors, il dit sur les sourates que le prophète, le fameux prophète, oublierait. Donc, ça veut dire que Bukhari est un menteur.
Ça, c'est la sourate de Bukhari. J'ai oublié le numéro de la sourate. Quelle sourate Bukhari? J'ai oublié la sourate. Bukhari est allé sur Bukhari n'a pas fait les hadiths, pardon. Mais je n'ai pas dit sourate. Les hadiths, je m'en excuse. Bukhari, ça veut dire que Bukhari, c'est un menteur. Menteur, c'est facile. En faisant les hadiths. Quel hadith? Je vais vous chercher le hadith. Oui, c'est que je n'ai pas noté le numéro du hadith. Tu viens à la guerre sans armes. S'il te plaît, je voulais citer le hadith. Je voulais citer le hadith. Quel hadith? Je voulais citer le hadith. Quand le prophète oubliait les versets du Coran. Où? Je vais vous citer. D'accord. Parce que vous faites de la mauvaise foi. Vous voyez, il fuit la question sur la copie. Je lui ai dit de lire la Fatiha et le Somme 1. C'est une copie conforme. Non, le temps est fini. On a plus assez de temps, malheureusement, chez Kali. Non, s'il vous plaît, c'est fini. Monsieur Yamsi. C'est quand même l'islam qui est au milieu. Oui, s'il te plaît. Pendant que tu étais là, cherche, on va conclure avec ça. Je l'ai trouvé maintenant. Il dit les musulmans, il a cité un auteur tout à l'heure, un pasteur américain, qui dit que les musulmans sont plus bibliques que les chrétiens. Une preuve de plus. Ça veut dire que l'islam a copié de la Bible. Une preuve de plus. On dit que l'islam a copié de la Bible. C'est pas ça l'explication. C'est quoi l'explication? Vous voyez? Ça dit, quand vous êtes en désorienté, vous faites comme vous faites là. Donc, pour finir sur la question, M. Hamsi, nous voulons dire simplement que, en effet, tant que les musulmans et leurs succédanés ne vont pas nous apporter une preuve matérielle, c'est-à-dire une généalogie complète, une preuve de l'existence de la ville de la Mecque, notamment archéologique, tout ce qu'ils racontent, c'est du pipeau. Ils embrouillent les gens parce qu'il faut fonder un peu. C'est la même chose que les chrétiens ont fait. Hein. On invente un personnage qu'on appelle Jésus et on vous vend ça à prix d'or. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Mohammed. D'accord. Alors, sinon, comme il est en train de dire que le ministère du tourisme va me fournir les éléments, pourquoi le ministère du tourisme ne me permet pas moi-même d'aller fouiller? Parce que justement, on craint que en fouillant, qu'on découvre des choses, n'est-ce pas, qui détruisent fondamentalement cet islam-là. Alors, Cheikh Ali, as-tu eu le sentiment d'avoir tout dit? Je vais lire le verset biblique. C'est quand même l'islam qui est au menu. L'émission est terminée. Non, deux mois, c'est l'islam qui est quand même au menu. Allez-y. Il a dit que le psaume 1, le psaume chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 6, c'est la première sourate du Coran. C'est faux. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le Coran. C'est-à-dire, c'est le jour et la nuit. Heureux l'homme qui, je vais lire rapidement, en moins d'une minute même. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors que le premier verset dans le Coran, c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange Allah, Seigneur de l'univers. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel? Écoute, deuxième verset. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit? Dans le Coran, c'est Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Verset 3. Pour terminer. Il y a 7 versets. Non, pour terminer définitivement. On ne peut pas refaire l'émission. Donc, c'est pas pour détruire, pour dire que c'est le mensonge. Ça n'a rien à voir avec la Fatiha. D'accord. Pourquoi vous limitez à ça? Mais c'est lui qui me recule. Si vous avez le temps, je lis tout. Non, nous allons poursuivre ça en si vous avez le temps, je lis tout. N'est-ce pas? Parce que moi, j'ai un problème. D'ailleurs, les téléspectateurs qui nous regardent, les milliers d'abonnés qui nous regardent également, vous avez donné des références. Ils vont faire des recherches par eux-mêmes. Essayer de faire la synthèse, n'est-ce pas, de cette émission et d'être fixé. Ce qui est certain, c'est que il sera difficile pour Cheikh Ali d'admettre que le prophète Mohammed n'a pas. C'est automatique. Puisque les non-musulmans, les scientifiques ont démontré qu'il a existé. Moi, je suis quoi dans la zone? Voilà. Merci, madame, messieurs, chers téléspectateurs. Ça a été un plaisir, une fois de plus, de vous servir dans le cadre de ce face-à-face qui opposait le Cheikh Ali Sanga, imam. Enseignant, prédicateur et l'historien des religions Kemoui sur la thématique prophète Muhammad, personnage historique ou alors légendaire. Je vous retrouve demain dans le cadre de Sagesse Kamit avec d'autres abonnés sous le titre Cosmologie et système politique. Bien le bonjour et à très bientôt. Ouf, heureusement qu'il y avait la pluie.